Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli boléro. Donc je vais vous expliquer comment le réaliser, vous allez voir que c'est très facile. Donc c'est un boléro qui se tricote en une pièce, donc c'est un peu dans l'esprit du top down, mais vous allez voir que là il y a une toute petite différence. Donc nous allons le tricoter comme je vous l'ai dit en un seul morceau. Il n'y a absolument pas de couture sur ce boléro. La seule couture que vous aurez, c'est pour fixer le petit bouton qui est là ici. Donc vous allez voir, il va y avoir plusieurs techniques. Il va y avoir la technique de l'augmentation, donc c'est très simple, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc il va y avoir une technique d'augmentation, il va y avoir la deuxième technique qui sera relever des mailles ici sur le côté. Après nous avons ce joli point que je vous avais déjà expliqué dans une des vidéos où j'avais fait une chaussette verte, je sais pas pour celles qui ont vu. Donc c'est un point fantaisie que moi j'avais appelé graine de café. Donc je vais vous expliquer aussi comment le faire au fur et à mesure. Donc ici nous allons avoir des petites augmentations au niveau du bas. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Nous allons le faire en donc plusieurs étapes et je vais essayer de vous expliquer donc très clairement comment faire ce joli boléro qui est vraiment très sympa. Alors celui-ci, les dimensions, les nombres de mailles que je vais vous donner, à mon avis correspondent pour une petite fille allant de 1 an à 2 ans, je pense. Donc je vais vous montrer à l'envers ce que ça donne. Donc voilà, nous avons ce joli boléro. Alors pour le réaliser, moi j'ai utilisé une laine layette qui se tricote donc en 3-4. Donc choisissez la couleur de votre choix. Moi je vais le faire en blanc, je l'ai fait en violet. Je vais le faire en blanc. Il vous faut, donc moi je tricote ça avec des aiguilles numéro 4. Il nous faut, il me semble, un petit peu plus de 50 grammes de laine, peut-être 50 voire un petit peu plus. Bon, on verra, je vous le dirai à la fin. Il vous faut des anneaux marqueurs, donc il nous en faut au moins 5 anneaux marqueurs. N'oubliez pas le petit bouton. Il nous faut un bouton, donc des anneaux marqueurs, aiguille numéro 4 pour moi. Si vous voulez le réaliser pour un enfant qui est plus grand, vous pouvez juste changer la laine, prendre une laine un petit peu plus épaisse, une laine un petit peu plus épaisse, et ça sera pour un enfant de 3 à 4 ans. Et en prenant une laine layette et en tricotant en 3, vous aurez, avec les aiguilles numéro 3, vous aurez un boléro un tout petit peu plus petit. Donc pour le réaliser, vous allez voir, c'est très simple, mais il y a plusieurs techniques et ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors moi j'ai anticipé, j'ai monté 59 mailles, j'ai monté 59 mailles que j'ai tricoté pendant 8 rangs. Donc au point mousse, premier rang à l'endroit, deuxième rang, toutes nos mailles à l'endroit, troisième rang, quatrième rang, ainsi de suite pendant 8 rangs de façon à obtenir 4 barres de point mousse. Une fois que nous avons obtenu nos 4 barres de point mousse, nous allons passer à l'augmentation. Donc la particularité de ce boléro, c'est que la première maille, la maille lisière, nous allons la tricoter à l'envers parce que vous allez voir que tout à l'heure nous allons relever des mailles ici. Donc la première, je la tricote à l'envers, ma maille lisière, donc je la tricote à l'envers, je passe mon fil derrière, je tricote deux mailles à l'endroit, je place un anneau marqueur parce que je vais faire une augmentation. Donc j'ai placé mon premier anneau marqueur pour faire l'augmentation. Regardez, j'entoure autour de mon doigt comme ceci, regardez, je prends mon fil comme ceci, je tourne autour de mon doigt et je viens le passer sur mon aiguille. Et maintenant je vais tricoter 12 mailles à l'endroit, 3, 4, 5,
6, 7, donc je suis sur l'endroit de mon travail, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est notre première manche. Je place mon anneau marqueur et je vais même placer mon anneau marqueur après mon augmentation. Donc, je refais une augmentation. Regardez. Je place mon anneau marqueur. Je tricote 2 mailles. 1, 2 mailles à l'endroit. Je vais placer un autre anneau marqueur. Donc, je place mon troisième anneau marqueur. Et je vais venir faire une autre augmentation. Parce que vous allez voir que nous allons avoir ces 2 mailles au milieu. Et nous allons faire une augmentation de chaque côté. Les anneaux marqueurs nous rappelleront qu'à cet endroit-là, il va falloir faire des augmentations. Donc, j'ai fait une augmentation et je vais venir tricoter 25 mailles à l'endroit pour faire le dos. Alors, une augmentation et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, nous avons fait nos 25 mailles pour le dos. Nous allons faire une augmentation, comme ce que nous avons fait au début. Hop, on entoure. Et je place un anneau marqueur. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Je place un autre anneau marqueur. Et je fais une augmentation. Et je vais tricoter normalement 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Je vais faire, il me reste 3 mailles, regardez, je vais faire une augmentation, placer un anneau marqueur. Un anneau marqueur, tricoter mes 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit et ma maille lisière, donc je la tricote à l'envers. Donc, nous avons terminé notre premier rang. Si vous n'avez pas d'anneau marqueur, c'est pas grave, vous pouvez mettre des petits morceaux de fil, de laine d'une autre couleur pour marquer. Si vous pensez ne pas vous tromper, donc vous pouvez ne pas en mettre. Donc là, nous sommes sur le deuxième rang. Après augmentation, et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, ma première maille lisière, je la tricote à l'envers. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, aussi bien mes jetées, mes augmentations que j'ai faites, pardon, que mes toutes mes mailles, donc, voilà, comme ceci, à l'envers. Toute ma maille. Alors là, j'ai, regardez, ma maille d'augmentation. Vous la prenez comme ceci, la maille d'augmentation par derrière et hop, vous faites glisser vos anneaux marqueurs, vous tricotez donc toutes vos mailles. Je fais glisser mon anneau marqueur et ma maille, là, ma maille d'augmentation. Alors, c'est mieux ne pas la tricoter comme ceci. Regardez, allez chercher le brin qui est derrière comme ceci et voilà, on la tricote et on continue donc jusqu'à la fin du rang à tricoter toutes nos mailles
à l'endroit, à l'envers, pardon, sur l'envers du travail, toutes nos mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang envers et je suis sur mon rang endroit, mon rang d'augmentation. Donc ça va être notre deuxième rang d'augmentation. Nous allons en faire 12. Ma première maille à l'envers, ma maille lisière, je la tricote donc à l'envers. Je passe mon fil donc derrière, je tricote mes deux mailles à l'endroit dans mon anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur et après l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Et là, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, donc jusqu'à mon anneau marqueur. 9, 10, 11, 12, donc j'ai tricoté 13 mailles, si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 mailles, parce que comme nous augmentons une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, donc on se retrouve avec 14 mailles. Donc j'ai fait une augmentation avant mon anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur, je tricote mes deux mailles à l'endroit, mes deux mailles qui sont entre mes anneaux marqueurs, je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation et je vais tricoter jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc toutes mes mailles, je les tricote à l'endroit. Nous sommes sur du jersey endroit, donc je vais vous montrer encore une fois. Donc, je suis arrivée à mon anneau marqueur. Je fais une augmentation, je glisse mon anneau marqueur, je tricote mes deux mailles et je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation de chaque côté donc de mes anneaux marqueurs et je vais jusqu'à la fin, pas du rang mais jusqu'à la fin, enfin jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, je suis arrivée à mon anneau marqueur. Donc, je fais une augmentation et je glisse mon anneau marqueur. Je tricote mes deux mailles à l'endroit et ma maille lisière, donc, à l'envers. Comme ceci. Donc, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Je vais vous montrer. Donc, nous tricotons toutes nos mailles à l'envers. On glisse l'anneau marqueur. Regardez, la maille d'augmentation, allez chercher le brin derrière. Pas celui qui est devant, comme ceci, mais allez chercher le brin qui est derrière. Voilà. Le rendu sera plus joli. Et vous continuez à tricoter toutes vos mailles jusqu'à la fin du rang sans rien faire. Donc j'ai terminé mon rang, donc j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers et je suis sur mon troisième rang d'augmentation. Donc nous allons continuer toujours ainsi. Donc la première maille à l'envers, on la tricote, les deux suivantes à l'endroit, donc je suis sur mon troisième rang d'augmentation. Si vous voulez, vous pouvez noter troisième rang d'augmentation, quatrième rang d'augmentation, donc c'est toujours sur l'envers du travail. Et une fois que nous en aurons 12, nous aurons fait 12 mailles d'augmentation, nous allons passer à autre chose. Donc on aura fini. Donc j'ai glissé mon anneau marqueur, je fais une augmentation.
et je vais tricoter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc jusqu'à mon anneau marqueur. Donc là j'ai 16 mailles, sans compter l'augmentation que j'ai faite ici. Donc je suis arrivée à mon anneau marqueur, une augmentation, je fais glisser mon anneau marqueur, je tricote mes deux mailles au milieu, donc mes deux mailles de référence, je glisse mon anneau marqueur et je refais une augmentation. Et je continue à tricoter donc ainsi. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 12 rangs d'augmentation. Donc je vais vous laisser continuer. Nous sommes à notre troisième rang d'augmentation. L'envers, vous tricotez toutes nos mailles à l'envers. À l'endroit suivant, donc quatrième rang d'augmentation, jusqu'à ce que nous en ayons fait 12. Ça va être cette partie-là, regardez. Donc, ça va être la partie ici. Nous sommes comme ceci, regardez. Et nous sommes en train de tricoter, donc, cette partie. Cette partie, donc, qui va former la manche, le dos, ici, regardez, pour le dos. Donc, voilà, nous allons faire nos 24 rangs d'augmentation. Nos 24 rangs aller-retour, ça fait et 12 rangs d'augmentation. Et une fois que nous avons fait nos 12 rangs d'augmentation, on va se retrouver pour faire notre point mousse ici. Donc, j'ai terminé mes 12 rangs d'augmentation. Donc, ça fait 24 rangs aller-retour. Voilà. Donc, j'ai fait mon 12e augmentation. J'ai tricoté donc mon rang d'augmentation, mon 12e. J'ai tricoté l'envers sur l'envers du travail, tout à l'envers. Et là, je suis sur l'endroit de mon travail. Et là, nous allons passer donc à cette partie, là, le bord de nos manches. Alors, pour cela, nous allons continuer à tricoter notre première maille à l'envers. Nous allons tricoter nos deux mailles, je glisse ma maille lisière, je continue mes augmentations et je vais continuer donc faire donc j'ai fait mon augmentation, pardon, voilà, donc j'ai tricoté ma maille lisière à l'envers, j'ai tricoté mes deux mailles à l'endroit, j'ai fait une augmentation. Et là, je passe mon fil devant et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors, en même temps, je vais vous dire combien j'en ai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc, j'ai fait 36 mailles au point mousse. Donc, j'ai tricoté à l'envers. Donc, je suis au niveau de mon anneau marqueur. Je fais une augmentation. Je fais une augmentation. Je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, je fais une augmentation
et je vais tricoter les mailles du dos, donc à l'endroit. C'est seulement les manches que nous allons faire à l'envers. Je vais tomber, hop, une maille, voilà, je l'ai rattrapée. Donc je continue jusqu'à mon anneau marqueur à tricoter donc mes mailles du dos à l'endroit. Comme ceci. Donc jusqu'à mon anneau marqueur, les mailles du dos, je les ai faites à l'endroit, une augmentation. Je fais glisser mon anneau marqueur, je tricote mes deux mailles, je fais glisser mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Et là, je passe mon fil devant et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je tricote toutes mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur à l'envers. J'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers. Je suis arrivée à mon anneau marqueur. Je fais une augmentation. Et je vais continuer à tricoter mes mailles à l'endroit. Une, deux mailles à l'endroit et ma maille lisière donc à l'envers. Donc là, je suis sur l'envers de mon travail. Je tricote ma maille lisière et je tricote mes mailles. Ici, toutes mes mailles, jusqu'à mon anneau marqueur, je vais les tricoter à l'endroit pour obtenir le point mou sur l'envers. Donc, jusqu'à mon anneau marqueur, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc comme je suis sur l'envers, pas d'augmentation. Donc jusqu'à mon deuxième anneau marqueur, le premier est là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et je glisse mon anneau marqueur et là je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je continue à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc j'ai tricoté mes mailles à l'envers, donc les mailles du dos, j'ai tricoté les deux mailles au centre de mes deux anneaux marqueurs
à l'envers. Et maintenant, je passe mon fil devant. Je perds mon anneau. J'ai retrouvé. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Regardez, sur l'endroit, quand nous allons tricoter à l'endroit, la maille, l'augmentation que nous avons faite, on va la tricoter comme ceci, regardez, par le bras avant. Et nous allons tricoter donc jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Comme ceci. Voilà, je fais glisser mon anneau marqueur et mes deux mailles, je vais les tricoter à l'envers ainsi que ma maille lisière. Voilà. Nous commençons, regardez, à obtenir notre point mousse. Donc, nous avons fait un aller, un retour, un aller, un retour. Nous avons, regardez, deux rang de points mousse. Nous allons tricoter notre maille lisière à l'envers. Je passe les fils devant et je tricote mes deux mailles à l'endroit. Je fais mon augmentation et là je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur. Jusqu'à mon anneau marqueur, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc, j'arrive à mon anneau marqueur. Je tricote ma maille. Et je fais une augmentation. On n'oublie pas de faire nos augmentations des deux côtés. Enfin, de chaque côté, d'un côté des anneaux marqueurs, enfin de chaque côté, je tricote mes deux mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. J'ai dit jeter, mais ce sont des augmentations. Voilà, donc une augmentation. Vous allez tricoter les mailles du dos tout à l'endroit. Quand vous arrivez à l'anneau marqueur, une augmentation, vous tricotez les deux mailles ici à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, une augmentation, vous tricotez ici à l'envers. Donc c'est les manches, ça va être les manches, la bordure de nos manches. Donc à l'envers, une augmentation avant l'anneau marqueur. Vous glissez l'anneau marqueur et vous tricotez les deux à l'endroit et la maille lisière à l'envers. Et on se retrouve donc à la fin du rang. Et une fois que vous avez fait ceci, sur l'envers, quand vous allez retourner, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc j'ai fait un aller-retour donc. J'ai augmenté, j'ai tricoté l'arrière, donc à l'arrière les mailles comme elles se présentent. Et maintenant, regardez, nous avons 4 rangs de points mousse. Et une fois que nous obtenons 4 points de points mousse, nous allons passer, donc nous allons rabattre nos mailles.
C'est-à-dire, nous allons commencer à rabattre nos mailles d'ici. Donc, pour les manches, je tricote 2 mailles et voilà, je fais passer par-dessus, je rabats, donc je tricote 1 maille, je fais passer l'autre par-dessus, je tricote 1 maille, je fais passer par-dessus, je tricote 1 maille, je fais passer par-dessus. Donc là, je suis en train de rabattre la partie de notre manche et je vais rabattre donc mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur ici. Donc nous allons rabattre tous nos points mousse. Donc, je n'ai pas compté, je ne sais pas combien de mailles nous avions là, mais bon, normalement il n'y a pas de problème. Voilà, nous rabattons nos mailles jusqu'à notre anneau marqueur. Donc je tricote 1 maille, je passe par-dessus. Donc c'est la méthode du surjet simple. Tricote 1 maille, passe par-dessus souplement, que ça ne tire pas trop au niveau de la manche. Comme ceci. Donc on rabat nos mailles. Donc, j'ai presque terminé. J'enlève mon anneau marqueur et les 2 mailles à l'endroit au milieu des 2 marqueurs, je vais les rabattre aussi. Donc 1 et 2. Donc j'ai rabattu les 2 mailles qui était entre les 2 anneaux marqueurs. Donc voilà ce que nous obtenons. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Regardez. Donc, j'ai rabattu. Ça va être la partie comme ça. Ça va être le bras, la manche plutôt. Là, j'ai rabattu. Je vais tricoter toutes les mailles ici à l'endroit jusqu'à mes anneaux marqueurs et après donc on va se retrouver et nous allons rabattre l'autre côté. Je suis arrivée donc à la fin de mon rendu dos. J'ai enlevé l'anneau marqueur ici et je vais commencer à rabattre. Donc je tricote ma première maille qui était entre l'anneau marqueur, la deuxième, et je fais passer par-dessus. J'enlève mon anneau marqueur et tous mes points mousse ici, je vais les rabattre. Oh, avec la méthode du surjet simple, comme ceci, je tricote, je fais passer par-dessus, je tricote. Je fais passer par-dessus, je tricote,
je fais passer par-dessus, et ceci jusqu'à la fin de mon rang. Donc, je rabats toutes mes mailles. Donc voilà, j'ai rabattu mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur. J'enlève mon anneau marqueur et je vais rabattre aussi les trois mailles. Je tricote, je passe par-dessus, je tricote, je passe par-dessus, je tricote et je passe par-dessus. Voilà, nous avons terminé la première partie. C'est-à-dire, nous avons terminé cette partie-là. C'est-à-dire ici, regardez. Nous obtenons normalement quelque chose comme ceci. Là, et ici, pareil, de même. Regardez. Donc, nous avons terminé la première partie. Nous n'allons pas couper notre fil ici, parce que nous allons relever des mailles ici tout le long. Donc je vais vous expliquer ça. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie pour la suite.